Bonjour à tous, bienvenue encore une fois dans le canton d'Autume et nous sommes aujourd'hui toujours dans la vallée des Anges. Nous sommes à Malanges, à quelques kilomètres d'Auxanges, petit village de 320 habitants à peu près. Et on appelle les habitants de Malanges les Malangers et les Malangaises. Alors il faut savoir que Malanges était sur une ancienne voie romaine, et puis on peut rajouter qu'en 1130, Lambert de Malanges y possédait un fief, et ensuite différentes familles se sont succédées pour se partager ce village. Nous sommes devant la mairie de Malanges. Il faut savoir qu'au début des années 2000, on a découvert des petites carrières préhistoriques, voire même proto-historiques, et que depuis, on continue les fouilles. Nous sommes devant l'église Saint-Michel ici à Malanges. Elle a été construite en 1748 sur une ancienne église. Elle a été restaurée grâce aux jeunes du village en 1961 pour les intérieurs et ensuite on a fait les extérieurs en 1990. Une personnalité intéressante ici à Malanges, c'est Antoine-François Bureur. Il était écuyer du roi Louis XV. Il fut l'un des derniers seigneurs de Malanges. Et d'ailleurs, sa tombe est dans l'église. Un château a existé ici au lieu-dit La Motte à Malanges, malheureusement. Il fut détruit par les grandes compagnies mercenaires au XIVe siècle et fut jamais reconstruit. Aujourd'hui, bien regardez, c'est un joli manoir qui a été restauré ici donc à Malanges. Vous avez un magnifique parc que vous pouvez traverser et derrière moi, vous avez une magnifique maison de retraite. C'est pas beau la vie ? Alors autrefois, du côté de Malanges, il y avait bien entendu, comme partout ici dans le coin, des mines de fer de 1856 à 1906. Il y avait même une fromagerie, malheureusement, qui s'est arrêtée depuis. Des moulins aussi, pas mal de moulins, beaux moulins en plus, qui étaient ici présents sur la commune de Malanges. Désormais, ce sont des exploitations agricoles qui existent, notamment pour la production de lait. Voilà, ainsi s'achève cette petite visite ici à Malanges. C'est très nature, c'est très paisible, comme dans tout le canton d'Autume. À très bientôt.